Et on le voit, les deux gardiens qui se préparent mentalement dans leur coin là, à cette séance de tir au but. Mais la pression est aussi très lourde pour ceux qui vont tirer. Allez, mettre la pression sur l'équipe adverse en marquant ce premier tir au but. Oh voilà! Bonne frappe et la série qui commence bien. Quel calme, quelle sérénité. Il est incroyable, il ne laisse aucune chance au gardien. Il marque lui aussi, un partout. Ça s'appelle un contre-pied parfait. Voici donc leur deuxième tireur. Regardez la facilité. C'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu les gardiens. Et voici le deuxième tireur. Le gardien est parti du mauvais côté. On l'a senti en confiance et c'est le contre-pied. Parfait. Alors que le troisième tireur se présente face au gardien. Oh, il a bien anticipé le plongeon du gardien. Il n'avait livré aucun indice et ça a marché. Le moment est venu pour le capitaine de montrer l'exemple. En plein dans l'axe. Il égalise à trois partout. Leur quatrième tireur se présente maintenant face au gardien. Le gardien était battu, mais ça ne rentre pas. Le voilà, et ce n'est jamais simple d'être le quatrième tireur. Le contre-pied parfait. Le gardien a été pris à contre-pied. Aussi simple que précis, le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Il a l'occasion de mettre un terme à cette séance de tir au but. L'espoir maintenant est entre les mains du gardien. Oh, la parade et son équipe continue à rêver. Et nous passons désormais à la mort subite. Oui, il a bien tiré. C'est un penalty superbement placé. Peut-être la dernière frappe. Une frappe qui décide du résultat de la rencontre. Et il fallait un vainqueur et c'est cette séance de tir au but qui nous l'a offert. Il y avait en tout cas très peu de différence entre les deux équipes aujourd'hui. Le match a été très disputé et c'est toujours difficile de vivre une séance de tir au but.